fait, dans le titre, il est question le retour de la bête. Et quand on voit la couverture, on voit la trace de la bête dans la neige. Donc c'est un récit qui se passe en Auvergne, dans le Gévaudan, là où il y a eu donc, la bête du Gévaudan, il y a quelques siècles de cela. Et par contre, il prend place en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, l'année 42, qui est celle où les Allemands se sont emparés de la zone libre, donc ont pris possession de toute la France. Hein, on va dire un petit peu la mascarade de la zone libre est tombée. Et donc dans ce petit village, où la guerre pour l'instant est assez lointaine, finalement, par contre, on est en train de reparler de la fameuse bête, puisque c'est un hiver très rigoureux, cet hiver 42, et dans la neige, on retrouve des traces de pattes un peu inquiétantes, des animaux disparaissent autour du village, les anciens commencent à évoquer un petit peu le nom de la bête, la bestia, Gévaudan, et donc la peur règne un petit peu sur le village. Et donc le héros de mon histoire est un jeune garçon, Jacques, qui va à l'école du village avec sa petite sœur, l'école qui est l'école communale comme il y avait avant, on va dire dans les campagnes, hein, dans la mairie, la seule quasiment en classe. Enfin, il y avait deux classes d'habitude, il y avait filles et garçons. Hein. Et donc, par contre, lui, son meilleur ami, cette année-là, c'est un jeune garçon qui vient de la ville, donc qui vient de Paris, qui s'appelle Maurice, qui est devenu son meilleur ami parce qu'il lui a appris, il lui a donné le goût de la lecture, il lui a fait découvrir des livres comme Le Monde Perdu, enfin ce genre de choses. C'est un garçon qui vient d'une famille lettrée. Et lui, il est le seul dans l'école à savoir que son ami ne s'appelle pas Maurice, il s'appelle Moshe, c'est un petit juif que ses parents ont envoyé là pour le mettre à l'abri. Et au début de l'histoire, donc, il y a bien deux bêtes qui vont arriver dans le village, mais ce ne sont pas des bêtes de chair et de sang, ce sont deux bêtes mécaniques, ce sont deux autochniettes allemandes qui vont amener des soldats qui cherchent des résistants. Ils ne trouveront pas de résistants, mais vont trouver notre petit juif et l'instituteur. Ils vont les enfermer dans la salle de classe en attendant le lendemain de les prendre pour les amener dans un endroit pas très agréable. Mais mon héros et ses amis vont décider que ça ne se passerait pas comme ça. Et ils vont décider de faire évader leurs copains, un peu avec l'innocence de l'enfance. Et pour cela, ils ont un plan. Comme on reparle de la bête dans le village, ils vont décider de créer une fausse bête à partir d'une vieille guimbarde pour faire diversion et pendant la nuit faire évader leurs copains. Mais évidemment, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme ils l'ont prévu et un invité surprise va peut-être se mêler à la fête et je n'en dirai pas plus. Au départ, la guerre est quelque chose de très lointaine pour eux. Au départ, c'est vraiment, on en parle autour, mais on n'est pas confronté directement. Et c'est jusqu'au moment, il y en a quelques-uns qui ont, quelques vétérans qui sont revenus et qui ont dit des choses. On sait très bien que dans les villages, il y a les Allemands qui ne sont pas très loin, mais... Et tout à coup, c'est la guerre qui s'invite aux portes du village, dans ces soldats qui viennent, qui arrivent. Et donc c'est vrai qu'il y a finalement une des scènes qui peut être violente, parce qu'elle n'est pas violente, mais choquante, c'est quand on a des soldats qui arrivent dans la salle de classe, voilà, qui vraiment cette... Et par contre, voilà, j'ai voulu le mettre, donc il n'y a rien, on évoque à un moment donné, évidemment, quand on lit, on va comprendre qu'il y a la déportation, on comprend ce genre de choses. Un de nos héros, à un moment donné, ben, Moshe, le petit juif parle, dit que ses parents ont été enlevés, et quand on lui demande, ben voilà, mais tu vas les retrouver. Et c'est très bien que... Mais par contre, c'est évoqué de manière indirecte à travers leur regard. Donc voilà, ce sont des choses très graves, mais vues à travers le regard des enfants. J'ai pas voulu tomber dans le pathos, j'ai pas voulu... Et c'est pour ça aussi que j'ai opté aussi pour ce traitement un petit peu fantastique aussi, un petit peu qui lie l'imaginaire de la région à cette histoire. Et puis aussi parce que je trouvais intéressant de confronter enfin, l'idée que finalement, la vraie bête n'est pas celle qu'on pense, ne se trouve pas où l'on pense finalement. Disons que pour moi, le fantastique m'intéresse dans le sens où il permet de mettre un masque sur la réalité pour souvent en parler plus librement. Par exemple, bon, là, c'est pas le cas dans celui-là, où là, c'est le fantastique qui s'invite un petit peu dans notre monde, mais dans d'autres histoires, par exemple, je fais se dérouler l'histoire dans un autre monde et qui me permet par contre de parler du fanatisme religieux, de la dictature, de l'intolérance, etc. Et de manière plus libre qu'on ne pourra en parler dans notre monde à nous. Dans notre monde, si on disait, voilà, ben, tiens, mais vous parlez de telle communauté, Non, je ne parle pas de telle ou telle communauté, je parle du fanatisme en règle générale, je parle de... Voilà. Et ça nous permet, en nous décalant dans des mondes imaginaires, de parler de problèmes de société, par exemple actuels, ou de la place des femmes, ou de, etc., de manière beaucoup plus, de beaucoup plus libre, finalement, que si on le faisait dans notre monde à nous. Bon, voilà. Je sais pas, certains héros qui peuvent retourner dans le temps, ça serait peut-être pas mal, j'aimerais bien.
J'aimais bien le personnage des Willans, mais bon, c'est une fille, c'est curieux, mais j'aime bien le personnage, est intéressant. Je trouve que. Pas des Willans, c'était plutôt des nanas d'ailleurs. C'était le personnage des nanas qui était plus intéressant, que je trouvais plus intéressant que. Et après, autrement, garçon, quel personnage. Disons qu'il y en a un dans lequel je me reconnais quand même beaucoup, c'est le Galou dans mon œuvre. Où cette histoire de garçon qui a sa bête intérieure et qui doit apprendre à dompter sa bête intérieure me parle énormément, puisque après tout, c'est moi qui l'ai écrit. Et je dois avouer que de temps en temps, pouvoir se transformer en Galou, c'est peut-être pas mal.